nos racines. Ce n'est pas un enfant qu'aujourd'hui, mais là où on célèbre la journée internationale des peuples autochtones. The importance of our Mother Earth, the legacy and the memory that we must not forget. And for that, to keep that in an artistic performance, I would like to welcome on stage Mo Clark and the group of Indigenous women from different nations to join their voices to honor this territory and this gathering tonight with a drum song. Please welcome Mo Clark. Je me trouve ici. I'm here with my sisters in spirit and in voice, and we will sing for you a song written in Nehiyawewin, written in the language of Plains Cree, the language of the land. Negepawatim, I had a dream. J'ai rêvé. Negan keskoye ke win gegawino aski. Big square. Up ahead, a prophecy. Mother Earth spoke to me. Avant moi, une prophétie. La terre mère m'a parlé. Square.
la bande. Merci beaucoup. Et bienvenue. There's at least 20 to 30,000 people here, folks. We're live for the next 4 or 5 hours till midnight. Please tweet and social media this out. Merci, mon plan, que ces voix magiques qui nous font. Are they inspiring our heart tonight? Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter sur la scène à notre amie Melissa Molin Dupuis, à Bertita Cáceres, et à Laura Cáceres. For those who are not familiar with the story of their mother, Berta Cáceres is a woman who fights all her life. Look, she fought strongly for the environment causes for all the indigenous people in Honduras, her country. So I give the word and microphone to Melissa and to Berta's daughters. Muy buenas tardes. Estamos aquí para hablar de Berta Cáceres, una líder indígena, mujer que fue asesinada por su lucha en defensa de los territorios indígenas, en contra de las violaciones de derechos humanos que hoy en día están habiendo en Honduras y por la defensa de los cuerpos. Como hijas de Berta Cáceres, como Popín y como pueblo hondureño, le venimos a contar que seguimos de pie, que la muerte y el miedo no nos paralizan y que vamos a continuar el legado de Berta Cáceres. Seguimos llamando a la humanidad, a los pueblos del mundo, a que actúen, a que despierten y que se unan a nuestra defensa por la tierra. Son 5 meses desde que nos robaron los brazos de nuestra madre, 5 meses desde los que la tierra habla y se sigue proclamando para llamar a la justicia, no solo por ella, sino por todos los defensores y defensoras de la vida que en nuestro país están siendo asesinados. Ça fait déjà 5 mois que Berta Cáceres a été assassinée chez elle. Aucune justice a été faite. Et on demande au monde international, on demande au gouvernement d'Honduras de faire la justice. De los que seguimos llamando para denunciar las políticas militaristas, asesinas que se implementan en nuestro país y de las que también participan las empresas transnacionales, el modelo extractivo asesino, las hidroeléctricas, la minería, los proyectos de venta de oxígeno. Il faut dénoncer que ce n'est pas seulement le gouvernement Honduras qui prend partie de ces massacres. Il faut aussi dénoncer les banques corporatives, toutes les empresas minières qui veulent venir s'installer à Honduras comme dans tous les autres pays de l'Amérique latine, sans avoir l'intention de prendre soin du peuple et des droits humains. Seguimos diciendo que no nos vamos a rendir, que la lucha, su lucha, va a continuar en su pueblo, en su organización, más fuerte que nunca. Y hacemos un llamado a la solidaridad internacional, a seguir denunciando este hecho asesino y a poner un alto a ese clima de impunidad que reina no solo en nuestro país, sino que en muchos países de América Latina. La lucha no se arrepa, on continue, et on fait tous les surveillants des droits humains pour faire un changement, pour faire justice. Berta vive, vive, la lucha sigue, sigue. Berta vive, vive, la lucha sigue, sigue. Berta vive, vive, la lucha sigue, sigue. Merci beaucoup.
Ils sont pas capables de me laisser, j'ai encore pris le micro. Et je suis heureuse aujourd'hui de voir la quantité de jeunes qui sont présents aujourd'hui. J'ai vu des jeunes de Women Cachis qui sont encore ici. Ouais! Ce que je suis triste aujourd'hui, c'est de voir que les luttes que nous faisons, des fois, les injustices poussent nos enfants à les continuer pour nous et ça ne devrait pas arriver. Imaginez ces jeunes filles, si elles n'avaient pas à lutter, si elles pouvaient uniquement créer et exister et pas seulement survivre. Ces injustices qui sont vécues par des femmes et des jeunes filles autochtones, qu'elles soient d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, tristement, c'est un héritage que l'on ne veut pas donner à nos enfants. J'ai un enfant maintenant et je n'ai jamais senti autant l'urgence de faire quelque chose. Je suis très triste pour votre mère, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé dans vos vies et j'espère que vous n'aurez pas à lutter toute votre vie. Mais je vous remercie de venir partager cette expérience-là pour qu'on puisse connaître votre histoire, pour qu'elle se rende jusqu'à nous. So I'm really sad today and happy at the same time because we have a lot of youth, a lot of energy at the social forum. But I'm also sad to see that those fights that we're having are becoming the new heritage that is left to the kids. And we should not have to give this as an heritage. It should be change, it should be justice, and they should be able to live and not survive in this world. So I'm really thankful that you're coming here and to talk about what's happening, to get us the knowledge, and I really hope that your life doesn't have to be a constant fight and that you can enjoy life as you should enjoy everywhere in the world. So, Tanish Kumitin, thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Diana. Thank you, Melissa. Cette histoire touche vraiment nos cœurs. Et c'est pas le temps de se rendre triste. C'est le temps vraiment de se réveiller. C'est le temps de prendre action. Breaking the silence with our stories creates tangible ways to take action. And seeing and witnessing, bearing witness together to these stories is where we begin. C'est le temps de réaliser. À notre monde est nécessaire. Ensemble, il est bien possible. For the next 3 days. Can I continue? Ce soir, on est à Montréal. On est au Québec. On est au Canada. We are on Turtle Island! On est le 12e rendez-vous de Forum Sociaux Mondiaux. Ce soir, on est un seul peuple uni. Tonight, we are united together in our shared resistance. And we also want to thank Présence Autochtone pour nous donner leur scène chaleureuse de leur festival qui est juste venu de finir ici ce soir. Queremos agradecer a todas las personas, a la cantidad enorme de voluntarios que han dejado el corazón, que han dejado su trabajo durante meses y años de organización de este Foro Mundial Social. Y queremos agradecer especialmente a las comunidades indígenas que nos han cedido este hermoso escenario para poder estar con ustedes esta noche. ¡Alors, est-ce que le peuple célèbre la vie! Are we ready?
conversation, a dialogue, a bearing witness, and tonight is only the beginning. Esta noche es una fiesta en donde reunimos el corazón, reunimos el arte, la imagen de muchos artistas que están dando de manera voluntaria el arte, que han trabajado y que vienen a contribuir con su mensaje, con la música para celebrar la vida en Montreal. Donc, pour ouvrir la scène ce soir, to open up tonight, we invite our first group of artists to the stage. Mélisande, David Robix, Karen Young and Coral Egan, please ouvrir vos cœurs, open your minds, and together let us celebrate. Recibamos un muy fuerte aplauso a nuestro primer bloque de artistas: David Robix, Karen Young, Coral Egan, and Mélisande. What they were saying about refugees in the English language press in 1939. It's 1939 when the boats are coming, but we can't have them here. That much at least is clear. Our economy is poor. We can't just open up the door. We've got problems of our own. They should just leave us alone. They're a tribalistic race. They keep a separate space. They don't really integrate. That'll be a burden on the state. Watch before it is too late. It's 1939 and the boats are coming. But if we let them land and acquiesce to their demands, we'll soon be overrun. Our Christian country will be done. They should just take the tram closer by to Amsterdam. Keep their problems in the region. This invading legion, enemies within our ranks, with names like Rosenberg and Frank. Watch that water that you drank. Are coming, but they must stay away. In the newspapers they say they don't believe in Christ the Lord, and they're jumping overboard, crossing borders in a swarm. They'll never be reformed. It's a Trojan horse attack, and we get to send them back. There may be Nazis in the hall, answering Hitler's call. These Jews are Germans after all. It's 1939 and the boats are coming. To my brother town. I think of far off places as the rain is coming down. You're fed down in the fields, picking fruit there from the vine. You can't come here, not in the light of day.
across these borders. So much is bought and sold. One may close the townships, the other comes the gold. Free trade is like a needle drawing blood straight from your heart. The border's like a prison. Tear down the prison walls, declare that no one is illegal. Watch the giant as it falls. Smaller, hear the drowning child crying. Why are the fences growing taller? Some whisper in the shadows while others count the dollars. Some have suits and ties, others chains and collars. Will we open up the borders? Tear down the prison walls, declare that no one is ill. May the fortress walls come down. May we meet our sisters and our brothers. Stand arm in arm there in the daylight, no longer fighting one another. Will we stand together? For therein lies our fight. Will we understand these words? Workers of the world, unite. Will we open up the borders? Prison walls declare that no one is illegal. No one is illegal. No one is illegal. Merci. Merci. Dans les grandes lois.
Ready to the band, your house band, the Poseidon and Love. Belle gang, on chante dans la Vénus. Je vais chanter une chanson que, dans le fond, c'est comme ma première tune, un peu, qui est sortie sur l'album, qui était le départ de ce que je voulais exprimer à mon public. Puis finalement, c'était comme comment consommer avec une responsabilité. Donc, combien d'années plus tard, here we go. Can we do it? Can we consume responsibly? I challenge you. Everything you buy is a vote. Who do you vote for? Thank you.
This is the opening ceremony and festivities here at the World Social Forum in Montreal. My name is Dee Schanger. It's 7:34 Eastern Standard Time, and we'll be going till around midnight or so. We'll be live the whole time for the next 4+ hours. Please tweet this out, social media it out. And yar. This is the 12th World Social Forum. The first time in North America, probably the only time, unless Montreal gets it again, but it's because they had the, you can only get the World Social Forum if you've had a revolution, and the Quebec Student Revolution of 2012 is why Montreal got it.
Thank you.
Il faut se rappeler surtout de notre indifférence l'un vis-à-vis des autres, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation macabre entre nous, entre les peuples et entre frères et sœurs, entre familles. Alors, sincèrement et de tout cœur, je souhaite et je nous souhaite à nous et à vous, à tous, à toute la Terre, de continuer cette mouvance dans la direction de la paix, de l'harmonie, de la joie et de l'abondance. Alors, bravo à vous! Bravo à nous! Et oui, je suis là pour vous divertir d'abord. Je vais vous faire un petit thème vaudou et vous allez voir la surprise par après. Alors, bon spectacle! Ça vous va? Petit ou pas.
génération de danse. Merci. Merci Marco. Et merci, merci infiniment pour votre présence. Alors, avec la belle musique africaine, on rentre en chaleur, puis on est prêt pour faire la danse toute la soirée, n'est-ce pas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ese sentimiento latino? D'activités possibles, ok? Alors, sachez que nous aurons plus de 1200 activités. Donc, après, on aura à peu près 150 activités culturelles. Alors, cette semaine va être remplie de messages, d'actions, de prises de parole, de partages. Il faut se rendre compte que finalement, on n'est pas si différents. Et finalement, un autre monde est nécessaire. Et ensemble, il est possible! Des grandes conférences. Alors n'hésitez pas à aller sur le site internet du Forum Social Mondial fsm2016.org et vous allez trouver toute l'information, toute la programmation disponible, un document PDF pour que vous participez aux plus d'activités possibles. Alors, la musique et la belle énergie continue. J'ai le plaisir de présenter à une chanteuse qui vient de l'Inde. She comes from India and she is gonna share with us her new project, Quest. She tries to introduce initiatives for human rights, for equality gender, and to make of her music, music with a message, with a meaning. Please welcome on the stage, Tara Vaswani! Just right up where the air is bright.
Merci Montréal.
Merci, Oriane. Thank you, Tara, for that wonderful voice. Okay, I'm going to save this. I'll be back in 30 seconds. Est-ce que vous avez déjà reçu